On a pas beaucoup dormi cette nuit. Non, pas, on n'a pas beaucoup dormi. mais c'est un peu le jeu, hein. Ah, c'est parti, vas-y. Allez, c'est parti. Bienvenue à la réserve de Beaulieu, à Beaulieu-sur-Mer, en front de mer. Donc, c'est-à-dire qu'on a la mer, on a les pieds dans la mer. Et voilà, un hôtel, 39 chambres, deux restaurants. Alors, à l'intérieur de l'hôtel, on a le restaurant des Rois qui est ouvert que les soirs. Donc là, c'est le restaurant étoilé. Et le midi, on a le Vent Debout à la piscine. Alors, c'est soit vous avez un pied dans la piscine chauffé haut de mer ou soit un pied dans la mer. Et par contre, celle-là, moi, je la chauffe pas. Hein. Alors ma cuisine aujourd'hui, ce que j'ai imprimé sur l'établissement, c'est une cuisine un petit peu sur les sensations de ce qu'on met dans chaque plat, sur les agrumes, sur les acidités, sur les amertumes. J'aime beaucoup, on est dans le pays des agrumes, j'aime beaucoup défendre ça. Ça permet aussi à une cuisine qui soit beaucoup plus digestive, moins lourde, moins grasse et un peu façon un peu à la japonaise aussi, où on cuit les poissons vraiment à la dernière minute et qu'on laisse reposer. On replonge le poisson aussi dans l'eau de mer. Donc on fait de l'eau de mer de profondeur, filtrée et après remarinée aux algues. Voilà, on essaye vraiment d'imprimer tout ça sur cette maison. Déjà le travail, ça commence avec le fournisseur, donc avec notre pêcheur qui va directement chercher les langoustes de Corse, donc les langoustes royales, qui après sont amenées. Donc nous, on a un petit calibre entre 300 et 500 grammes, pas plus bas de 350. Voilà. Donc elles arrivent, comme tu les as vues tout à l'heure, elles arrivent fraîches, vivantes. Et donc le travail, c'est simple, c'est elles sont cuites, ficelées sur une spatule ou sur une cuillère, ficelées bien droites pour garder bien droite. Elles sont cuites dans une eau de tomate, cœur de bœuf, pour vraiment donner le goût, les saveurs de la tomate. Elles sont glacées après avec un sirop de tomate, au naturel. On ne rajoute pas de sucre, de glucose ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'eau qui est réduite. Et on l'assaisonne avec une petite poudre de tomate au fond de l'assiette, au piment d'Espelette et une fausse tomate. Une fausse tomate, c'est une surprise. C'est de la chair de tomate, mais réduite. Et en fait, avec la sucrosité de la tomate, ça nous fait notre sucre. Et en fait, ça nous lie la purée de tomate. Et ce qui va faire notre pot de tomate. Alors, mon chef pâtissier, il est très très bon. Et puis, c'est surtout, il est attaché à la maison. Alors, attention, personne ne peut me le prendre. Non, je rigole. Mais c'est vrai que c'est un super mec, Benoît Jabouille. Il finit ma cuisine. On s'entend super bien parce qu'il est joueur en plus, il va dans la technicité, il va dans la recherche, il va plein de choses. Et là, il nous a fait une fraise concombre avec une crème de sarriette. Ça déchire. Et avec ce mec-là, on s'amuse, mais c'est un truc de malade.